Victor Laszlo, la connaissez, elle est belle, elle est sympathique, c'est une amie. Il y a 2 ans, je la recevais pour les Passagers du siècle, 2 parcours en parallèle, d'une part la Centrafrique, les esclaves, d'autre part les juifs. 2 parcours, 2 peuples qui ont fui, qui ont voyagé, avec des personnages qu'on suit à longueur d'histoire et qu'on retrouve dans Les Trafiquants de colère, livre paru là malheureusement pendant la foire du livre et à une période où elle n'a pas pu faire beaucoup de promotion. Je vous invite à lire les deux et à partager de nouveau cette histoire merveilleuse. Alors, je vous parle de Grasset, chez Grasset également, Nos Rendez-vous. Nos Rendez-vous, c'est une belle production chez Grasset. Nos Rendez-vous, c'est Eliette Abécassis et c'est ces histoires d'amour qu'on adore, ces histoires, ben, limite qu'on a tous vécues. De nouveau, je me mets dans la peau de ces personnages. Lisez, découvrez, partagez ces amours, ces rencontres au fil des décennies. Ça commence juste au moment des élections Mitterrand et puis ça va se terminer à peu près aujourd'hui. Eliette Abécassis dans un genre qu'on lui connaissait peu, un genre merveilleux. Une autre histoire d'amour incroyable, 3 personnages, j'ai oublié de le préparer, c'est La carte des regrets de Nathalie Skowronek. Certains disent Chauvronek. Une femme, 2 hommes, elle meurt dès le début de l'histoire, les 2 sont éperdument amoureux. Suivez-les dans cette quête, c'est vraiment très 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 beau. Chez Grasset encore, et ça c'est paru fin de l'année, un enfant, Patricia Virgo et Francis van de Woestijn ont perdu Victor 3 ans avant d'écrire ce livre. Exceptionnel, dur, pas facile à digérer, mais je vous le conseille vivement.